Salut à tous les amis, Sam c'est Créateur. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis pas en compagnie de Giovanni, mais je suis en compagnie d'un autre copain qui s'appelle Antoine. Et c'est normal si dans cette vidéo je ne parle pas, car comme vous avez pu le constater dans le titre, nous faisons une rencontre avec le premier astronaute français qui se nomme Jean-Loup Chrétien. Donc franchement c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, à faire tout ce que vous voulez, à laisser des commentaires et tout. Et je vous laisse prendre cette navette en compagnie de l'astronaute Jean-Loup Chrétien. Et on se dit à plus tard et bonne vidéo. Bonsoir à tous. Le micro, c'est une fois plus difficile que beaucoup d'autres instruments. Celui-là, vous avez vu, m'a résisté. Le reste, on va essayer de faire mieux. Donc ce soir, une présentation plus traditionnelle que je fais assez régulièrement et qui sera tout axé sur le même sujet qui est généralement gérer la sécurité au cours d'un vol spatial, adapter les problèmes de sécurité à telle ou autre situation, etc. Donc on retrouve toujours ce canevas de la sécurité, de la gestion des risques lors d'une mission spatiale adaptée à d'autres situations sur Terre. Aujourd'hui, au Conservatoire de Brest, c'est un peu différent. On m'a demandé déjà de parler de vol spatial et de musique, donc de vous dire pourquoi je suis aussi élève au Conservatoire de Brest. Et je suis depuis quelques années élève de Martha, qui est ici, qui est très patiente. Et ça me permettra sans doute dans 10 ans d'avoir sur ma carte de visite ancien élève du Conservatoire de Brest. Le rêve, et puisqu'on va parler de rêve ce soir, le rêve d'être musicien, le rêve d'être organiste pour ma part, mais le rêve d'être musicien ou d'être artiste a hanté beaucoup de personnes dans le milieu de la troisième dimension, chez les aviateurs, chez les astronautes et les cosmonautes. Il a aussi hanté des marins et puis des tas d'autres personnes. Alors pourquoi? Je ne suis pas sûr de pouvoir vous apporter un élément de réponse, mais peut-être d'exciter votre curiosité. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était une petite bataille quand j'étais tout jeune entre le désir d'aller plus loin dans la musique et puis le désir d'aller dans ces machines qui nous survolaient à l'époque. Et ça, c'est bien vieux, puisque j'étais jeune enfant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et vivais près de Plougent, près de Morlaix, où évoluaient incessamment les avions de la Luftwaffe, les avions allemands, et puis les avions alliés qui venaient régulièrement bombarder le coin. Donc cette hésitation a duré quelques temps, et puis après m'être assis dans un avion à l'âge de 11-12 ans, je suis parti vers le milieu des ailes, et suis venu à la musique très tardivement, venu alors assez tardivement, car j'étais toujours hanté par cette envie de toucher les claviers d'un orgue. Et c'est en 1970, quand je suis devenu élève pilote d'essai au centre d'essai en vol d'Istre, j'ai pu enfin toucher les claviers d'un orgue, devenir quelques années élève de Pierre Bardon à la Basilique Saint-Maximin en Provence, dont il était le titulaire, et puis je suis parti à Moscou pour me préparer pour la mission spatiale et donc abandonner à nouveau les claviers pour ne le retrouver qu'il y a quelques années ici grâce à Martha. Alors le petit film que je vais vous passer est un raccourci d'un film que j'avais fait pour Connaissance du Monde il y a quelques années qui relate un petit peu les éléments de mes trois vols. Et j'avais accompagné ce film d'extraits de musique d'orgue que m'avaient passé mes collègues, amis, organistes. Et Connaissance du Monde, Fanny, m'a demandé, mais c'est très bien, vous avez mis cette musique, mais ce film va passer dans des salles, est-ce que
passer les droits de ces musiques. Évidemment, je ne les avais pas, ils ne les avaient pas non plus. Donc il y en a un qui m'a dit, bah, t'as 48 heures, tu te lances là-dedans. Je me suis acheté donc un clavier, un clavier MIDI, des éléments d'informatique que j'ai mis dans mon ordinateur, et en 48 heures, j'ai dû improviser, il n'y a pas d'autre mot, me jeter à l'eau glacée pour essayer que ce film sorte dans les délais contractuels. Alors le résultat, vous le jugerez par vous-même. D'autre part, il est coupé plusieurs fois, puisque il fait 20 minutes, et le film original fait une heure, donc vous verrez les coupures, vous verrez les coupures en musique. Donc, je sollicite votre indulgence, non pas par mes compétences musicales, ça, l'indulgence, elle est là-bas, elle est proche de la tête de Martha, mais l'indulgence a été due à la durée, surtout à la surprise qui m'a été faite de me dire, vous devez habiller vous-même votre film. Voilà, puis après, on passera à une présentation PowerPoint que je ferai assez rapidement, de façon à ce qu'on libère la salle à temps pour l'événement suivant. Augmenter le son. De chance, la chance de vivre mon rêve pendant ce demi-siècle où la robotique et l'espace ont connu un essor sans précédent. Tout avait commencé un demi-siècle plus tôt, quand de farouches aventuriers réussissaient à voler à quelques centimètres au-dessus du plancher des vaches. Ici les frères Wright sur leur fameux biplan. Regardez ce passage historique, suivi par ce courageux témoin, à genoux pour s'assurer que l'homme volant est bien au-dessus du sol et ne va pas lui couper la tête. 12 avril 1961, le premier être humain vole dans l'espace, Yuri Gagarin, pilote de chasse soviétique. Il est suivi un an plus tard par l'astronaute américain John Glenn. Et quel étrange hasard nous valut à cette époque une centaine d'élèves officiers de la promotion 1959 de l'école de l'air d'être au même moment en visite au pays de John Glenn. De Boitine 520 nous fait déjà rêver au combat tournoyant que nous allons livrer dans peu de temps dans le vent des hélices et l'odeur âcre d'un moteur surchauffé. Mais que ne faut-il pas faire avant de devenir pilote et espérer un jour devenir cosmonaute? Et pendant ce temps, la NASA fait ses premiers pas. Alan Shepard, premier astronaute américain, va effectuer un vol balistique
et non pas un vol orbital comme le fera ensuite John Glenn. C'était l'époque de cette grande compétition entre soviétiques et américains, ce grand match qu'il se livrait dans l'espace, sur les océans et dans les airs. C'est de cette compétition que naquit le projet ambitieux des missions d'Apollo. En moins de 10 ans, l'Amérique devait réaliser ainsi une démonstration éclatante de son savoir-faire et de sa puissance, de sa capacité d'organisation pour atteindre un but que tous considéraient comme un défi complètement fou. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Les Américains purent ainsi exécuter toute une série de vols vers la Lune. Le quasi-échec d'Apollo 13 leur permit néanmoins de ramener sain et sauf l'équipage de cette mission et démontrer encore une fois leur maîtrise et leur sang-froid. Avant la dernière mission prévue. Les Américains considéraient qu'ils avaient beaucoup joué avec le feu et qu'ils avaient eu beaucoup de chance d'envoyer et surtout de ramener sain et sauf une douzaine d'astronautes sur la Lune. Et l'image du moteur qui s'arrête, sachant que l'autonomie restante pour repartir en cas d'allumissage manquait, n'était plus que de quelques dizaines de secondes. Les échantillons lunaires qu'ils avaient promis à la communauté scientifique étaient bien là. Et ils avaient réussi cet extraordinaire pari d'atteindre notre satellite naturel avant les soviétiques. Ce sont maintenant ces... l'entraînement des cosmonautes soviétiques. L'épreuve a été rude, mais la joie se lit sur nos visages. Très froid. Les conditions simulent l'arrivée du véhicule dans une zone où en général la température varie entre moins 15 le jour et moins 30 la nuit. Il faut cette fois apprendre à survivre pendant 3 jours et 2 nuits avec nous. Voici de nouveau à l'entraînement au bord d'un lac de la Cité des Étoiles où il s'agit de parfaire notre connaissance des divers instruments que l'on utilise pendant ces opérations de survie, avec les maigres ressources contenues dans le Soyouz. Je rejoins ensuite la NASA à Houston pour y commencer un nouveau type d'entraînement dans un milieu résolument différent. Ces images sont prises dans la cabine d'un Boeing KC-135 spécialement équipé pour les vols en apesanteur. Pour nos collègues américains, nous restions deux bêtes curieuses évadées de l'Empire du Mal. Les choses changèrent radicalement quelques années plus tard, quand les deux ennemis ont dû s'unir pour le meilleur et pour le pire au sein d'un ambitieux projet de coopération internationale. Et maintenant, ce film du Centre National d'Études Spatiales relatif à mes deux missions
dans l'espace en Russie. Finalement, c'est Jean-Luc Chrétien qui embarque, avec Vladimir Jannibekov et Sacha Ivanchenkov, à bord du vaisseau Soyuz T6. Il devient ainsi le premier Français et le premier citoyen d'Europe de l'Ouest à voler dans l'espace en bouclant un tour de Terre toutes les 90 minutes. La mission se nomme PVH pour premier vol habité. Elle a pour cadre la station Salyut 7. PVH n'est pas une simple promenade orbitale. Un programme scientifique, comprenant en particulier de nombreuses expériences médicales, occupe Chrétien 14 heures par jour durant le vol d'une semaine. Gorbatchev, lors de sa première visite en France, et François Mitterrand conviennent d'une nouvelle mission franco-soviétique. Ça va marquer une étape importante. Ce sera une mission de 4 semaines, elle comprendra une sortie dans l'espace et aura pour cadre la nouvelle station orbitale Mir, premier élément d'une station permanente de grande dimension. Chrétien, désigné pour un ragatz, retrouve la cité des étoiles. Troisième aspect, écrire et répéter le scénario exact de la sortie. Pas question d'improviser. À la cité des étoiles, Chrétien, Tonini et leurs équipiers soviétiques passent des dizaines d'heures dans le bassin d'entraînement qui contient une maquette exacte de Mir. Tout le programme de la sortie est systématiquement répété. Mise en œuvre des rats, installation des caméras, fixation de l'expérience échantillon, qui est un panneau recouvert de divers matériaux dont il faut vérifier la résistance aux rayons cosmiques et aux micrométéorites. L'équipage Alexandre Volkov, Jean-Luc Chrétien, Sergei Krikalov, l'école de Baïkonour. D'abord, c'est la première fois que les Français font dans l'espace une expérience de déploiement d'un mécanisme qui peut être utilisé dans un vaisseau spatial pour le déploiement des panneaux solaires. Tout est intéressant de cette expérience. Regardez ceci là, de déployer ça en conditions de pesanteur terrestre. Это не ТВГ, это жанр-кретин. Спасибо, Волков.